Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre guidance collective pour voir ensemble les énergies qui tendent vers vous pour la semaine prochaine, hein, donc semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre. Donc je vais vous faire le tirage en 15 cartes, comme je vous ai fait la semaine dernière, hein, c'est un tirage qui est bien complet, hein. Donc on va découvrir cela ensemble. Mais avant, à la coupe, vous avez obtenu le 10 de carreau et le 7 de trèfle. Donc il y a une notion de déplacement par rapport à des papiers, hein, des papiers administratifs. Voilà, vous serez amené à vous déplacer par rapport à ceci. On peut parler de déplacement par rapport à des petits profits également, hein. Mais ça peut parler également de déplacement pour aller rendre visite à une jeune femme brune, hein, ou une jeune femme brune qui vous rend visite, mais il y a quand même voilà, un petit peu de distance kilométrique entre vous. Il peut y avoir des déplacements également en lien avec le domaine professionnel. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que vous voyez? Oui, vous avez le 7 de pique, hein, donc on vous parle de certitude, hein, d'accord, sur ce tirage. On vous parle de certitude, et ben on vous reparle ici d'écrits, hein, sur des écrits qui vont vous faire grandement plaisir. On peut parler de communication par écrit sur le contexte sentimental également. En tout cas, il y a un beau bénéfice à en recevoir. Oui, ce sont des écrits qui vont vous faire grandement plaisir. Il y a une excellence dessus, d'accord? Il y a vraiment une grande joie. Ça peut être des écrits en lien avec le travail, en lien avec le financier ici. On voit qu'il y a vraiment de très très bons partenariats avec des personnes. Une personne, en tout cas ici en l'occurrence un homme, hein, puis l'homme est bien prédominant ici, hein, dans votre dos de deck. Donc voilà, des partenariats qui sont bénéfiques, hein. Il y a une notion d'engagement, même si je n'ai pas l'as de pique ici. Mais on voit quelque chose de vraiment très 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 bénéfique pour vous. Vous pouvez avoir affaire face à vous à une personne, voilà, qui va vous charmer par ses paroles, qui va vous séduire, mais pas forcément vous séduire sentimentalement, oui, dans certains contextes, mais pas dans tous. On est quand même sur des écrits ici assez importants, où on parle d'engagement, d'accord, de signature, avec des personnes quand même assez importantes qui ont une posture, oui, qui ont une posture sociale assez importante ici. Donc voilà. Par ses paroles, voilà, cet homme, voilà, il y a une bonne écoute ici, on voit qu'il y a une bonne communication. Il peut y avoir une énergie de rapidité, et puis on vous la confirme ici également avec ce 10 de pique, même s'il vient ensuite sur autre chose. Mais là, écoutez, il y a vraiment de très bonnes communications, de très bons écrits, de très bons accords, hein, ici. Il y a des signatures, il y a quelque chose qui se prépare ici, hein, sur de potentiels engagements, de potentiels accords, des rendez-vous professionnels, financiers. Mais vous avez l'excellence. Vous avez l'excellence. Alors, bon, c'est parti. Bon, bah ici, on parle de vous, mesdames, en tant que consultante. Sinon, pour vous, messieurs, on parle d'une femme face à vous. Waouh! Écoutez, bah, ce 10 de cœur, hein, il y a de la projection en amour ou par rapport à autre chose. Hein, ça peut être une projection par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Là, on est sur une notion de partenariat, que ce soit en couple ou par rapport à autre chose. Mais on est sur quelque chose qui touche le cœur, qui vous fait plaisir, d'accord, hein. Il y a une notion d'avancée, hein, une notion d'avancement, de mettre des projets en place. Ici, hein, on construit à deux, d'accord? Oui, on se projette ici. On voit qu'il y a
des projections qui doivent se mettre en place, mais il y a un blocage, d'accord? On va voir par la suite si cette situation va se débloquer, mais on voit que c'est quand même un contexte qui a du mal à se mettre en place ici, d'accord? Qui a du mal à se mettre en place, il y a, voilà, il y a des petites brindilles qui traînent, il y a des petites embûches ici, hein? Oh, bah écoutez, vous avez la réussite. Donc ici, on est sur quelque chose, sur une projection, hein, de partenariat en couple ou par rapport à un projet qui vous tient fortement à cœur. La situation se débloque. Vous avez l'as de trèfle. Et là, ici, avec cet as de trèfle, on vous parle déjà du début de réussite totale et générale. D'accord? Donc, peu importe les blocages, la situation va se débloquer, ça va se décanter. Et d'autant plus que vous avez la réussite dessus. Donc, on voit bien que cette projection, ce partenariat à deux, ben, ça va se faire, d'accord, hein? Ça va se faire, hein? Vous avez la réussite dessus et on vous parle de réussite sur cette projection, hein? Oui. On voit une réussite. Alors là, il y a une réussite imprévue, une réussite qui peut être soudaine. On parle de bonnes nouvelles, hein. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, une invitation, une proposition qui va vous faire chaud au cœur, ça va vous faire plaisir, d'accord? On parle de petits bonheurs de la vie, on parle de cadeaux de la destinée, de petits plaisirs. Il y a vraiment quelque chose de beau. Après, il est possible que vous fassiez un cadeau à une personne que vous appréciez, d'accord? Un petit cadeau, hein? On n'est pas sur quelque chose de grand, même si ici on a une projection qui est belle, hein? Qui est très belle, hein? Qui, voilà. Il y a une très belle réussite là-dessus, hein? Ouais, il y a des invitations, des propositions, il y a des sorties, mais on est sur quelque chose que vous n'attendez pas. Hein, que vous n'attendez pas ou que vous n'attendez plus, puisqu'il y a cet effet de surprise, mais une surprise qui met du baume au cœur. Hein, donc voilà. Et oui, on parle de communication, on parle de nouvelles, d'accord? Alors là, on serait plus sur des nouvelles de manière orale, d'accord? Plutôt que sur des nouvelles écrites, mais ça peut être écrite par SMS, hein, mais il y a quand même une prédominance sur des nouvelles orales, surprenantes, mais une surprise agréable. Hein. Des nouvelles qui vous permettent de prendre un nouveau cycle, un nouveau départ. Ici, vous pouvez apprendre une surprise d'annonce de grossesse, de naissance. Hein. Ça va vous faire plaisir ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux projets ici qui se mettent en place, de nouveaux objectifs, une page blanche, d'accord, hein, comme une page blanche, il y a une renaissance, hein. C'est vraiment de très très bonnes nouvelles ici, hein, que ce soit professionnel, sentimental, hein, bien sûr, on est sur du collectif adapté à vos énergies, mais là on est sur des nouvelles qui vous feront chaud au cœur et puis surtout qui permettent un nouveau départ. Hein. Il peut y avoir par rapport à ces communications une notion de retrouvailles, de réconciliation, de trouver un bon terrain d'entente, hein, également ici avec ce 7 de cœur. Le fait de mettre de nouveaux objectifs en place, de nouveaux projets, et oui, il peut y avoir des communications sur une nouvelle relation sentimentale. Ouais, on vous parle de nouvelles, hein, d'un homme qui est un meilleur ami, ça peut être votre fils, ça peut être un frère, voilà, un homme que vous appréciez et qui vous apprécie. On est sur quelqu'un de bon, hein, sur ce valet de cœur, on est sur quelqu'un de bienveillance qui peut vous apporter son soutien, son appui, qui peut vous apporter également de conseils. Sur le valet de cœur, on est plus sur quelqu'un qui a une oreille attentive. On est sur quelqu'un de généreux également, hein, d'accord? Bon, dans d'autres contextes, hein, on peut parler d'amant. C'est vrai que je vous en parle pas souvent. Oh, bah écoutez, vous avez la dame de cœur, hein. Donc là, hein, bah écoutez, hein,
des nouvelles. Il y a des projets ici, hein, des projets familiaux qui peuvent se mettre en place, des projets amicaux. On a des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une nièce, d'une tante, hein, d'une dame de cœur. Hein. Donc voilà. Alors pour vous, messieurs, cette dame de cœur, ça peut représenter une dame que vous avez dans le cœur. D'accord? Hein, pour qui vous avez, bah, pour qui vous avez des émotions, hein, vous avez des sentiments, hein, donc d'accord, vous appréciez beaucoup cette femme, hein, d'accord, et cette femme-là, cette dame de cœur dans le jeu de 32, hein, n'a pas spécialement d'âge, hein, ça peut être une femme jeune, moins jeune, etc. D'accord, hein. Là, il y a une situation de mal-être, d'accord? Il peut y avoir un petit souci de santé hein, ici pour ces dames de cœur hein, et qu'elles vous en parlent. Hein, mais on a des dames de cœur ici qui sont, qui peuvent être angoissées. Il y a quelque chose qui les tracasse ici. Là, c'est pareil, hein, on peut parler. De visite médicale hein, pour un homme. Et ici, on parle de vous, messieurs, en tant que consultant. Jackie, tu es là. voilà, Jackie se reconnaîtra. Ici, on parle de vous, messieurs, ou un homme face à vous, mesdames. Hein. Ici, sur Roi de Trèfle, on est sur un homme également qui a du caractère, qui sait s'imposer quand il y a besoin, mais on est sur un homme qui est bon, puisque on est également sur un homme qui est droit, qui aime que les choses voilà, soient bien équilibrées et en toute équité. Donc on peut parler, oui, peut-être un petit rhume pour ces hommes-ci, mais voilà, il y a quelque chose ici voilà, qui vous tracasse, messieurs, ou un homme face à vous, mesdames. Il peut y avoir une tracasserie ici pour vous, messieurs, ou cet homme face à vous, mesdames, par rapport à quelque chose de loin ou une personne qui est loin de vous. D'accord? Il y a le fait d'être inquiet, hein, d'être inquiet, de se tracasser, de se poser des questions, de ruminer ici pour certains d'entre vous. Alors. Ouais. Ici, oui, on confirme hein, une situation en lien avec le lointain. Il y a une notion de retard, d'accord? Donc, voilà, soit quelque chose qui est au loin, soit une personne. Bon, ce roi de carreau parle de tout ce qui est lié au lointain, d'accord? Ça peut être en lien avec l'étranger également, mais pas que. Hein, ça peut être une autre région, ça peut être une autre ville. En tout cas, il y a de la distance kilométrique. OK? Donc il y a voilà, il y a un retard par rapport à ceci. Il peut y avoir un retard, peut-être que ici on a des hommes qui ont peut-être en tête voilà, cette envie de déménager également, ou qui attendent peut-être des contrats ou de l'administratif, puisque rappelez-vous, l'administratif hein, était sorti en dos de deck, hein, mais il y a une belle réussite quand même en aboutissement. Voilà, qui sont peut-être attendus. Hein. Waouh! Waouh! Ok, alors j'ai aussi un autre contexte, mais je vous le donnerai quand on aura terminé. Alors, ici, on parle d'un roi de cœur, d'accord. On parle d'un homme. Alors ça peut être votre papa, ça peut être votre oncle. C'est un homme de cœur. Mais ça peut être un homme de cœur pour vous, mesdames, vous, messieurs, bien sûr, que vous avez dans le cœur. C'est un homme ici qui a des sentiments. D'accord? C'est un homme ici qui a des sentiments envers vous. Il y a de l'émotion. Sur ce roi de cœur, on est sur un homme tendre, on est sur un homme bienveillant, hein, tout comme. Cette dame de cœur, on est sur un homme sincère, on est sur un homme loyal. Il y a une fidélité de cœur ici, d'accord? Envers une personne, il y a une fidélité de cœur. On est sur un homme qui est protecteur, un homme qui est honnête également. On est sur un homme bon, d'accord? Hein, qui a des sentiments. Et. Ou bah, par rapport à ceci, déjà, on annonce une victoire par rapport au sentiment de cet homme.
Et on est sur un homme pour qui il y a une victoire également hein, sur le contexte financier et ou professionnel. D'accord? Donc voilà. Alors, ici. Alors ici, pour vous, mesdames, en tant que consultante, hein, ou une femme face à vous, messieurs, il y a une notion de toute façon d'invitation, de surprise, d'événements inattendus, mais joyeux. Ça peut être avec une meilleure amie, ça peut être avec, comment dire, votre fille, votre nièce, etc. D'accord? Une personne que vous appréciez. C'est quelqu'un qui peut vous apporter également du soutien, de l'appui. Ok? Bon, après cette dame de cœur, alors je reviendrai en dernier comme je vous ai dit, cette dame de cœur peut représenter également une amante, une maîtresse. D'accord? Et dans certains contextes, cela peut être vous, mesdames. Mais je vais y revenir. Bon, là, ici, on voit que par rapport à cette dame de cœur, en tout cas, une femme qui vous est proche autour de vous, hein, mesdames ou messieurs, il y a une situation de retard par rapport à la mise en place d'un projet. D'accord? Bon, il peut y avoir du retard également hein, lors de cette rencontre, hein, de cette dame qui arrive en retard, hein, qui arrive 5, 10 minutes, 1 heure en retard également, mais de toute façon, on est sur une homme qui est une homme, pardon, une femme ici qui est vraiment bonne, qui est vraiment bienveillante, qui est sincère de cœur et d'âme. Ici, on parle de nouvelles, d'accord? De nouvelles qui arrivent. Ici, on a un roi de cœur, d'accord? Donc, on parle de nouvelles, hein, de ce roi de cœur, mais on voit un roi de cœur c'est quelqu'un qui devait vous donner des nouvelles, d'accord, ici, pour être plus clair. C'est quelqu'un qui devait vous donner des nouvelles et qui n'a pas pu le faire, d'accord, qui n'a pas pu le faire. Alors, cela peut être vous, messieurs, c'est ce roi de cœur, d'accord, je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, qui s'est tracassé, d'accord? Cette situation de nouvelles, de manque de communication, l'a tracassé, mais il y a une renaissance dessus et ces nouvelles vont se mettre en place ici, d'accord? Il est possible aussi, dans d'autres contextes, qu'un homme vous donne des nouvelles par rapport à sa santé, mais il y a une guérison ici, ok? Ensuite, ici, alors pour vous, messieurs, en tant que consultant, ou un homme en face de vous, mesdames, ou en partenariat avec cet homme, hein, bien sûr, hein, comme là ici, messieurs, ça peut être un peu en partenariat avec cette femme en face de vous. En tout cas, il y a une notion de grande réussite, une notion de victoire par rapport à quelque chose de lointain. Il y a de l'argent qui rentre, il y a des partenariats qui se mettent en place également. Il y a de l'appui, il y a du soutien d'un frère, d'un meilleur ami, d'un homme de cœur qui vous est proche. On est également ici dans un autre contexte sur des hommes qui ont des enfants, enfin au moins un fils en tout cas, qui ne sont pas proches de lui dans le sens où il y a de la distance kilométrique ici. Ok, mais il y a une réussite, il y a une réussite hein, sur le côté et avec le ou les fistons ici, d'accord hein, voilà. Il peut y avoir des partenariats familiaux également ici, familiaux et ou amicaux d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, il y a une très très belle réussite. Ensuite, bon, alors pour vous mesdames, autant que pour vous messieurs, on parle de communication entre un homme et une femme, d'accord? On est sur des communications qui, pour moi, ici, comme je vous le disais tout à l'heure, seront plus sur l'oral, d'accord? Alors l'oral, ça peut être en face à face, tout comme ça peut être par téléphone ou par visio, enfin voilà. Mais j'ai plus une notion d'oral. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'écrit, mais il y a quand même une prédominance ici sur des oraux pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on voit qu'il y a un événement imprévu qui devait se mettre en place, mais qui n'a pas pu se mettre en place. D'accord? Il y a eu un frein ici. D'accord? Il y a eu une tracasserie, mais il y a la victoire là-dessus. Donc, ça va se faire. Ça va avoir lieu. Ça va se mettre en place. Ok?
De toute façon, on voit bien dans votre tirage, il y a une renaissance ici, hein, dans votre tirage, hein, d'accord, hein? Les blocages, les retards, le mal-être, ça part, d'accord? On est sur une résolution de contexte, de problème, voilà, ou de choses qui tardaient, qui traînaient. Voilà, il y a une résolution ici. Ensuite, ici. Ici, bon, on a voilà, une réussite. Alors, on a une réussite sur le plan familial entre des liens entre un homme et sa fille, ici. On a un homme qui a des liens amicaux féminins, hein, avec qui il y aura des communications. Il y a une belle réussite. Il y a de bonnes nouvelles. D'accord? Je ne vous ai pas oublié le dernier contexte, hein. Oui. Ici, on voit qu'il y a eu un contexte il y a eu un retard qui a été bloqué, d'accord? Donc entre deux, il y a cette notion où il y a eu une situation qui commence à se décanter, mais ça a été rebloqué par rapport à un fils, un meilleur ami, un homme de cœur, hein, mais un homme de cœur qui est bon envers vous, hein? Donc voilà. Mais on voit bien une situation qui se décante. Hein. Et vous avez le 9 de pique et le 9 de carreau qui touchent ce 7 de cœur. Hein, et qui touchent la réussite d'ailleurs aussi. Et pour terminer ici, bah oui, on voit bien que bah, les projets qui étaient retardés, qui ont été bloqués entre deux, bah, il y a un nouveau départ là-dessus. D'accord? Ces projections, ces partenariats bah, vont se mettre en place. Hein. De toute façon, malgré les retards, malgré les blocages, c'est quelque chose qui va se faire ici. C'est quelque chose qui va se décanter et bah, qui va se faire, qui va se mettre en place dans la matière. Il y a une notion de réconciliation, il y a une notion de retrouvailles, de nouvelles bases, de nouvelles pages blanches et de renaissance. Hein. Donc, il y a une renaissance totale là-dessus. Donc, ça va se mettre en place. Et c'est en lien. Soit avec une personne qui est au loin, soit avec un contexte qui est au loin. Ok? Alors, maintenant, je vais venir sur le dernier contexte. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, je prenais un peu d'eau. Alors, ça va durer un peu plus. Hein. Mais bon, je passe tout ce qu'il y a à passer. Alors ici, par rapport au dernier contexte. Bon, c'est vrai que je ne vous en parle pas souvent. Mais là, alors tout le monde ne sera pas dans, voilà, hein, dans ce contexte-ci. Mais là, ici, on a une situation. Ici. On a une situation où ici, cette dame de cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, et en plus elle est sur votre ligne, mesdames, pour celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce contexte, on parle d'amante, de maîtresse. Il faut savoir que on parle de femme de cœur. On voit ici qu'il y a un homme comment dire, bah, qui a cette femme dans son cœur. Okay. Cet homme peut être également amant, l'amant, bah, l'amant, l'amant, à savoir qu'également, et ici aussi, ce roi de cœur et ce valet de cœur touchent ce roi de cœur, il faut savoir que le valet de cœur peut être également un amant, en tout cas, disons, une personne qui vous convoite, d'accord? Là, ici, hors contexte amant-amante, il peut y avoir aussi un contexte de relation cachée. Il n'est pas dit que cet homme soit en couple. Attention, hein. Même si on ressent bien des énergies tierces qui coincent, mais ce n'est pas forcément la partenaire. Ce personnage ici peut être célibataire et l'énergie tierce peut être une personne familiale ou amicale qui bloque. Hein, d'accord? Parce que dans certains contextes, ça peut être le contexte amical qui bloque. D'accord? Bon, là, ici, voilà, pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce contexte. D'accord? Hein, sinon, vous avancez la vidéo.
Là, ici, on voit que y a une situation de blocage qui met en mal-être cette femme et cet homme. Et cet homme ici, ça peut être vous, messieurs, en tant que consultant, et cette femme, ça peut être vous, en tant que consultante, mesdames. Il y a une instabilité, d'accord? Il y a une instabilité. On voit bien qu'il y a une instabilité par rapport à des communications, mais qui sont bloquées, d'accord? Enfin, voilà, qui actuellement sont bloqués. Mais on voit deux personnes ici qui ont beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour l'un vers l'autre. On voit qu'autant vous, messieurs, autant que cette femme, les deux sont en mal-être, d'accord? Les deux se tracassent l'un pour l'autre, hein, parce que là, il y a un lien sincère et véritable l'un envers l'autre, d'accord? On voit une situation qui est bloquée, et ici qui est bloquée par une énergie tierce, d'accord? Que ce soit une compagne ou que ce soit un lien amical, un lien familial. Okay. Mais il y a une renaissance là-dessus et il y a la réussite. Il y a la réussite ici sur cet amour entre ces deux personnes. C'est une solution une solution, un contexte ici qui va se résorber. Les choses ici vont se décanter et se mettre en place. Par contre, prioritairement, c'est cet homme ici qui est bloqué. D'accord? Et ça l'ennuie. Ça l'ennuie. Mais il y a une renaissance, un nouveau. Oui, une renaissance, la possibilité de faire décanter les choses. Hein. Donc les choses vont entrer dans la matière. Mais voilà, on est sur quand même une situation actuelle qui, pour le moment, s'est bloquée, mais ça va se décanter. D'accord? En tout cas, c'est ce qui en ressort ici dans cette guidance. Il faut savoir que cette dame de cœur par rapport à ce roi de cœur hein, et vice-versa, cette femme voilà, représente pour vous messieurs ou par rapport à cet homme, représente la femme avec qui cet homme s'engagera. Voilà. Et on vous donne confirmation de toute façon puisqu'ici vous sortez en tant que dame de trèfle et roi de trèfle. Donc là, il y aura une union, il y aura un mariage, d'accord? Voilà, il y aura de l'engagement et voilà, et quelque chose de bien concret. Mais il y a une partie d'épreuve auparavant, mais ça va se décanter. Donc voilà. Alors au niveau des associations, parce que je ne vais pas vous recouvrir ni le 8 de pique, ni le 9 de pique, ni le 9 de carreau, tout simplement parce que vous avez la réussite et on voit bien comment dire, que les choses vont se décanter. Alors ici, bon, vous avez les deux dames, d'accord, hein? Donc là, ici, on voit bien de toute façon, ici, il y a une rivalité entre deux femmes, d'accord? Il est possible, hein, que cet homme ait à choisir également entre deux femmes si cet homme est en couple, d'accord? Ou par rapport à une énergie tierce, il y a une énergie féminine, voilà, qui met le bazar. Là ici il y a une rivalité. Attention à des énergies féminines autour de vous. Il y a une notion de fourberie, de mensonge, de tromperie, de duperie. Voilà. Et là ce serait sur le contexte amical. Ok? Ensuite vous avez un 8. Vous avez 2, 2, 2, 2, 2. Alors, avec ces deux 8, ben oui, on voit que dans certains couples, il y a un mal-être, il y a de la mésentente, il y a des conflits, c'est pas ça, c'est pas top, d'accord? Ça peut être également hein, par rapport à d'autres partenariats pour d'autres. Ensuite, la dame, on a vu, vous avez un 9, 2, 9, 2, 9. Donc, sur ces deux 9, on parle de changement positif, d'accord? De changement positif sur le plan professionnel, sur le plan financier également, d'accord? Il y a de l'avancement ici, là-dessus également. Vous avez un 10, vous avez deux 10. Donc, voilà, on vous reconfirme également ici de changement positif, bénéfique, après des difficultés qu'il y a eu précédemment, d'accord? Donc vous sortez de ces difficultés-ci.
Ensuite, vous avez un as, vous avez deux as. Oh, magnifique, magnifique. On parle de retrouvailles, on parle de réconciliation, on parle de, comment dire, de trouver des terrains d'entente également. On parle de partenariat, on parle d'union, on parle de mariage. D'accord? Donc voilà, c'est waouh, magnifique, superbe. Et en plus, l'as de trèfle, hein, comme je vous disais tout à l'heure, réussite totale et générale, les énergies négatives partent avec cet as de trèfle. Ensuite, vous avez un roi, deux rois, trois rois, top, top. Ici, vous avez des personnes face à vous de très bons conseils, d'accord? Ces trois rois sont vraiment de très très bons conseils. Vous avez la chance avec vous. On parle de fiabilité, de solidité. Les neuf, c'est fait. Le sept, vous en avez qu'un. Les rois, ok. Les valets, là, c'est fait. Eh ben voilà, écoutez, superbe, hein? Superbe, génial. Donc voilà pour votre guidance. On va terminer par le conseil. On est à combien? Ouh, 30 minutes. Ça va être très long en chargement. J'en suis désolée. Alors, je vous ai pris le conseil de Shakespeare pour changer. On vous dit qu'ils sont pauvres ceux qui n'ont pas de patience. Quelle blessure s'est jamais guérie autrement que par degrés? Voilà. Alors, je vais vous lire son message. J'espère que ça ne va pas trop bloquer sur le téléchargement. Sinon, si je vois que ça bloque, je vous mettrai le message en communauté. Alors, le manque de patience est un problème particulièrement criant de nos jours. Le rôle de plus en plus important de la technologie dans nos vies a entraîné la diminution de la durée d'attention et la recherche de l'instantanéité dans toutes les facettes de nos existences. Le calme est une preuve de sagesse. C'est l'état dans lequel vous devez absolument être lorsque vous réfléchissez au chemin que vous souhaitez emprunter. Et il est fondamental chaque jour de votre vie. Patience et attente ne sont pas synonymes. Être patient, c'est continuer à travailler assidûment en sachant que les résultats arriveront en temps opportun. L'engagement est le prix de la victoire. Voilà pour vous les amis. Je vais vous souhaiter de passer un agréable week-end. On se retrouvera pour les énergies de la journée de lundi. Donc la semaine prochaine, les énergies seront faites avec le tarot. Alors je ne sais pas quelle forme de tirage je vais utiliser. Soit je vais utiliser le tirage en forme de pyramide ou pourquoi pas, oui pourquoi pas en tirage en 13 cartes. Vous aimez bien cette formule en 13 cartes. Donc voilà, donc je vais voir. Je vais vous souhaiter de passer un agréable week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.